David, là c'est, tu fais quoi? C'est l'inventaire de fin de formation, oui, c'est ça? On l'a fait au début, on l'a fait au milieu et on fait à la fin comme ça pour voir si tout est. Ouais, ouais, bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu es formateur? Alors, je suis formateur en AMB, agent de maintenance en bâtiment. Ouais. C'est une formation qui dure 6 mois, mais on peut faire des formations spécifiques avec des partenaires type Trecobat qui va durer 8 mois. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors durant cette formation? Alors durant cette formation, ils vont faire tout ce qui est aménagement courant du bâtiment. Donc c'est tout ce qui est préventif, correctif, amélioratif, type pose de placo, électricité, okay. Tout ce qui est plomberie, installation sanitaire, mm-hmm. Et tout ce qui est revêtement muraux et finition. Ah, ça oui. Les permet aussi de pouvoir aller travailler plus tard aussi dans des ERP, dans les établissements recevant du public, okay. Type EHPAD, hôpitaux, l'AFPA, pourquoi pas. À la fin, donc il y a un site professionnel qui se passe sur 7 heures. D'accord. Donc en 7 heures, ça passe très très vite. Sur 2 jours, on travaille avec des fiches d'intervention. Des fiches d'intervention qu'on va recevoir sur tablette numérique, sur lesquelles on peut voir le degré d'urgence de l'intervention à réaliser, le lieu dans lequel ils doivent le réaliser. On reçoit des plans aussi, mm-hmm. Donc on doit pouvoir lire les plans. Pour entrer en formation, il faut un minimum savoir s'organiser aussi. Pouvoir se dire qu'est-ce que je vais réaliser en premier, ouais, en second. Prioriser en fait sur, par rapport à l'urgence. Donc avant d'entrer en formation, c'est bien aussi d'aller faire des stages en entreprise, de découverte. Oui. Avant de pour bien travailler son projet avant d'entrer en formation. Et bon, on va peut-être aller visiter. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, go, on y va. Comme c'est une nouvelle formation, on partait d'un plateau vide. Donc on doit faire toute l'ossature. On a dû monter toute l'ossature aussi et monter toutes les cabines. Donc là, on rentre sur le plateau technique. Donc là, on est parti en différentes cabines. Chacun travaille dans sa cabine. Ils font du carrelage, du sol PVC, tout ce qui est pose de papier peint. Ils vont faire tout ce qui est pose également de d'évier, pose de WC. Donc pose de placo également. Ils ont posé du placo plâtre, posé des faux plafonds. Ce qui est installation électrique, donc pose de boîtier électrique, pose de prise, pose d'interrupteur. Ils vont devoir peindre tout ça aussi, mettre un petit peu, égayer leur cabine. J'ai commencé à Pélec dans le bâtiment. Et donc après, je suis partie faire des saisons un peu, voyager un peu partout en France. D'accord. Et du coup, je suis revenue et je savais que je voulais retourner dans le bâtiment absolument. On a commencé il y a 8 mois. Tu voulais pas faire que l'électricité? Non. Pourquoi? Bah, parce que j'ai un peu vu un peu tout dans le domaine. D'accord. Et c'est vrai que du coup, je voulais voir un peu plus qu'en élec, quoi. Ok. Divers domaines, divers métiers, puis apprendre un peu de tout, quoi. Alors, qu'est-ce que t'as fait là pendant 8 mois? Alors, on a fait l'électricité, de la plomberie, du placo. Peinture, finition, revêtement, mm-hmm. Du sol, du carrelage, de la faïence. On a fait un peu de tout. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu as préféré? Le sol, tout ce qui est carrelage, faïence. D'accord. J'ai bien aimé, ouais. Voir vraiment que la pièce s'aménage et voir la finition, quoi. Alors lundi, on part du coup pour Trecobat. Donc là, CDI? CDI, du coup, ouais. C'est quoi tes projets? Travailler chez Trecobat quelques années. Mm-hmm. Et après, pourquoi pas me lancer dans une formation interne avec eux pour être conducteur de travail. Ouais. Il y a beaucoup de femmes dans le bâtiment ou pas? Ben oui, il y en a pas mal, c'est de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour qu'elles aient envie d'aller dans le bâtiment? Bah, que le monde a évolué. Une femme a le droit de travailler dans le bâtiment comme dans un bureau. Il n'y a pas de métier pour femmes, des métiers pour hommes, quoi. Souvent, moi, j'entends ça, ouais, mais le port de charge, c'est oui. Compliqué. Bah oui, il y a des choses lourdes, comme le placo, à force d'en mettre, c'est vrai que c'est physique, mais quand on aime et qu'on a vraiment envie, tout ça, moi, je ne porte pas d'importance, quoi. D'accord. Ça me dérange pas, quoi. Ok. Vu que j'aime ça, je ne vois pas faire autre chose, donc...